trop parlé. Et finalement, ça nuit énormément à la compréhension, à l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a le mérite de poser la vraie question. Pourquoi avons-nous quitté la mer? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Tu veux dire? C'est l'arrivée de l'esprit qui nous a fait flotter. Comme de l'air? Exactement, le souffle de l'esprit. Ça nous a fait gonfler la tête. Ça a fait bouer, si tu veux. Et hop, on augmentait la surface. C'est pas entièrement con. Oui, une fois la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage. Et comme l'intelligence, ça ne s'est pas arrêté, à peine sur le sol, c'était parti. On est devenu Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Oui, mais résultat, voilà, on en est. Dans un musée, un samedi après-midi, à se prendre la tête au lieu d'aller rigoler à la piscine. Confuse, confuse, je n'aurais peut-être jamais dû vous parler comme ça. C'est fait, Carla. Vous nous avez mis face à nous-mêmes. Il n'y a rien à regretter. Peut-être un peu de poisson, mais on est des adultes, tu sais. Et puis, il ne faut pas noircir le tableau. Il nous en reste des choses du poisson. Par exemple, la côte de porc. Si. Quand mon grand-père allait pêcher la bête dans l'Indre, il a pâté à la côte de porc. Ça mordait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça mordait. Il en rapportait 2 kilos par jour. On mangeait de la bête pendant toutes les vacances. J'entends encore ma grand-mère lui dire « Tu sais, Georges, c'est pas qu'on n'a pas que poisson, hein. Mais nous aussi, de temps en temps, on aimerait bien mordre dans une côte de porc. » Non, c'était juste pour dire que pour certaines choses, on a gardé le même goût. Je n'ai jamais dit qu'on avait tout perdu. J'ai dit qu'on s'était perdu. Quand même, on a beaucoup perdu, hein. Quand je pense au mal que j'ai eu pour apprendre à nager, alors que si on n'avait pas fait les cours, je savais déjà. C'est comme mon frère Pascal, qui a appris tous les mécaniciens. Merde, tous les bras longs, les jambes musclées, les mains qui tournaient dans tous les sens. Dès l'enfance, le goût pour l'huile, la graisse, les poneys éclatés. Pendant que ma sœur et moi nous faisions du poney, lui, il soudait les soudait les pare-chocs. À 3 ans, il a même demandé au Père Noël une casquette totale. Quand un enfant, ou comme ça, un bébé, demande à Noël une casquette totale, et ses parents sont rassurés. Ils se disent, il a un don, il est fait pour ça. Pas la peine de s'en faire pour lui, sa vie est tracée. Et bien en scène 2, il a un petit camarade qui joue du violoncelle. Pourquoi? Personne ne le saura jamais, il a voulu faire pareil. Total, justement aujourd'hui, à 42 ans, mon frère fait partie d'un bel orchestre de corrida en Espagne où il joue du tambour. Pas du violoncelle? Non. Il n'est jamais arrivé à passer les cordes avec sa main gauche. Lui qui démontait un carburateur les yeux fermés en passant. Ça vous la trouille, hein? Confuse, confuse, mille pardons, c'est de ma faute. Voilà, je t'en prie. Et moi, le dernier, on n'a pas dû arranger les choses. Ah ouais, c'est à cause de moi que tu l'as rapporté à Richard, à cause de moi, navré de vous avoir filé le blues. Sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres. Et la tarte n'a jamais eu gaffe, hein? Oh là, jamais. Pourquoi la poisson m'a largué chez le poissonnier en tout cas? Mais c'est une impression, Anne. Aucun poisson n'est dépressif, aucun. Des bobards, tout ça. La truite morose, le chacun, la morue triste. C'est l'enfer aux enfants, ça n'existe pas. Le temps est réputé pour s'inquiéter. La lotte est rieuse, la murée est mutine, le rouget est toujours de bonne humeur, et le hareng est un vrai clown. Et le poisson rouge a beaucoup d'humour, c'est vrai. Et la sole, regarde comme elle est heureuse, la sole. C'est probablement celle qui est la plus heureuse de tous. Oui, et tu sais pourquoi? J'ai oublié. Parce qu'elle est plate. C'est une surface, juste une surface. Elle est si mince, elle n'a pas la place de penser, c'est ce que je disais. Elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Il faut dire quand même qu'elle nage très profond. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la somme. Mais remarque, moi ça non plus, je ne le fais jamais. Mais ça se voit, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, je pense que de nous cinq,
C'est toi qui restais la plus proche. Comment dire? Qui a le moins d'œil. C'est vrai, tu es la plus gaie. La moins bougée. Et la plus en arrière. De loin. Génial. Je ne sais pas comment je vais reprendre ça, hein. Oh, mais bien, ma chérie, très bien. Mais vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis comme dans une drague? Oh, non. Non, parce que si tout votre truc c'est de vous en arriver là, déjà moi je suis allée au musée uniquement pour faire plaisir, ce serait le pompon, hein. Dégage. Regardez-là, regardez-là cette bestiole. Oh mon grand. Pourquoi elle se croit? Tu as une animalité exceptionnelle pour notre époque, Anne. Exceptionnelle. Je t'envie beaucoup. Tu n'es qu'un réflexe. Un sursaut, c'est magnifique. Ce n'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion, sombrer dans la subtilité, le raisonnement. C'est vrai, vous avez raison. Je me porte plutôt bien mais je n'ai pas à me plaindre. Mais enfin, si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, je suis quand même sensible. C'est moins grave. Peut-être, mais je la ressens très fort, notre glissade de la mer vers l'allée, et je vois bien qu'on arrive à l'impasse. Ça, je ne peux pas te dire le contraire. Et je vois bien qu'en sortant de l'eau, on l'a perdu, notre paradis terrestre. Disons aquatique, paradis aquatique. Non, mais attends, c'est une image. Tu continues à croire que je suis conne, quoi. Tu t'imagines que je ne sais pas que pour la sole, le paradis terrestre avec le pommier, l'air en dessous et le chemin en gravier sans fer. Et après, on s'étonne qu'on n'ait plus d'écailles. Ça fait peur quand même. Je ne peux pas te dire le contraire. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Clara? Qu'est-ce qu'on fait? Même Anne est mal. On ne peut pas continuer à avancer comme ça, à croire que ça va s'arranger dans l'air du temps. Il faut penser à nos enfants, on ne peut pas leur mentir. On s'est trompé, on s'est trompé. Stop, stop, n'en a pas tout. Calme, calme. Anne n'a pas le temps. Moi, je voulais que ça ne fait rien, on va le payer cher. On l'a déjà payé très cher. La dysenterie, la lèpre. Et quelle visite. Les impôts. La Bible, le Vatican, le mois d'août sur la Côte d'Azur. Et toutes ces guerres. Il n'y aurait jamais eu 6 millions de morts en 14-18 si on était resté poisson. À condition qu'il y eut de l'eau dans les tranchées, quand même. Quand même. Il a même arrêté de pleuvoir. Vous vous souvenez des photos? C'est vrai, ça avait l'air très...